À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mille télégrammes de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Bravo, merci Paloma, Elix, Soa de Muse, merci infiniment à toutes les trois d'avoir été là. Ce sont des stars, hein. Vous les avez pu les découvrir dans Drag Race, notre grande queen est avec nous aujourd'hui. Merci à toutes les trois. Vous vraiment vous transmettez de la joie. Qui a déjà alors incarné Chantal là-dessous? C'est vous, Ellipse, hein? Eh bien, je crois que c'est moi qui l'ai incarné un petit peu pour l'émission. De temps en temps, elle part dans les tours comme ça. Elle le fait bien. Et leur émission est magnifique. Drag Race, évidemment. Et ce serait très agréable d'un jour d'être jury chez vous. Mais on t'attend chez vous. C'est une demande officielle hein, qui va être entendue par France 2. On va la faire remonter en haute sphère. Comment vous expliquez d'ailleurs, soit qu'elle soit devenue une icône gay aussi? Parce qu'on l'a vue à la télévision, elle nous a fait rire, mais c'est une icône et je pense qu'elle... qu'elle nous fait partir un peu en vacances de nous-mêmes, comme nous, on essaye de le faire à chaque fois. J'aime bien ça, elle nous fait partir et en vacances. Elle est irrévérencieuse aussi. C'est joli. Merci beaucoup. En tout cas, je sais qu'on peut retrouver hein, toute la saison 1 de l'émission Drag Race France, qui a été un succès incroyable sur Splash et sur France.tv. Vous nous avez offert des moments merveilleux. Merci infiniment. Et c'était un plaisir que vous apportiez cette joie de vivre dans cette boîte à secrets. Merci. 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 Merci tout le monde. Tout. Merci à toutes les trois. Au revoir. C'est très attachant. C'est du rêve. C'est très... Évidemment. Oui.